Aujourd'hui, nous annonçons l'inculpation de 5 officiers de l'armée populaire de Chine pour des faits de cyberespionnage contre 6 entreprises américaines. Cette affaire représente les premières poursuites jamais engagées à l'encontre d'un acteur étatique pour piratage à l'encontre de cibles commerciales américaines. Ces officiers de l'armée chinoise ont obtenu un accès non autorisé à des ordinateurs des victimes dans le but de voler des informations utiles à leurs concurrents en Chine, y compris des entreprises publiques chinoises. Nous ne collectons pas d'informations dans le but d'obtenir un avantage pour des entreprises américaines ou des intérêts commerciaux américains. Cette administration ne tolérera pas qu'une nation sabote de manière illégale des entreprises américaines et menace l'intégrité d'un marché libre et ouvert. Cette affaire doit servir à nous réveiller et comprendre que les cybermenaces sont bien réelles. Ces inculpations envoient le message que tous les acteurs étatiques qui pratiquent l'espionnage économique par Internet, depuis des bureaux à Shanghai par exemple, seront exposés et poursuivis par la justice américaine. Merci.